jazz, j'ai eu à fréquenter dans le monde, Montréal, même à Paris également et un peu partout à travers le monde. Et ce festival est un festival remarquable dans une très belle ville, une ville historique. Le ministère de la Culture est heureux d'être là. Voilà. Je l'ai dit tantôt, M. le Président de la République a donné une enveloppe plus substantielle par rapport aux années précédentes. La commune va accompagner. Elle l'a toujours fait, elle est présente, elle continuera aussi à... Donc, à une rencontre et on verra comment alléger davantage ces taxes-là en fonction en tout cas de nos possibilités. Mais ce qui est important, c'est vraiment c'est l'événement, qui est un événement majeur, l'événement artistique le plus important, en tout cas, ou le plus important donc, à l'échelle nationale, et qui constitue une fierté pour Saint-Louis. Puisque durant cette semaine, effectivement, Saint-Louis va rayonner, Saint-Louis va vibrer donc, au rythme des jazz. Saint-Louis va constituer ici un point de convergence pour tous les mélomanes en termes de jazz en réalité. Et pour nous, cet événement, en tout cas, qui va contribuer au développement économique de notre commune, est un événement qui nous tient à cœur et nous ferons en sorte que tout se passe, en tout cas, dans les règles de l'art pour que les festivaliers et les festivalières puissent passer des jours importants, agréables à Saint-Louis.